Fondatrice de l'association Eternal Network et ancienne directrice d'un programme artistique de la ville de Paris, Anastasia Macridou-Bretonneau est responsable de l'axe art citoyen de la fondation Daniel et Nina Carasso depuis 2014. Elle est l'une des initiatrices du prix Artiste citoyen engagé. Nous l'avons rencontrée. Le souhait de créer un prix pour l'axe art citoyen existait depuis longtemps au sein de la fondation. Mais il nous a fallu du temps pour penser sa raison d'être, son sens, son utilité, en résonance avec les objectifs et les valeurs de la fondation. C'est toute l'équipe qui a travaillé avec beaucoup de conviction pour la création de ces prix et su convaincre de sa nécessité. Nous avons souhaité avec ce prix mettre en lumière le rôle des artistes dans une société en crise à la recherche de nouveaux modèles. Les artistes lauréats mettent en œuvre d'autres possibles. En faisant un pas de plus au regard de leur carrière, ils portent des projets qui s'engagent à porter des transformations pérennes, concrètes, dans des domaines aussi variés que l'éducation, l'exclusion sociale ou culturelle. Grâce au processus de sélection, nous avons découvert des initiatives, des démarches remarquables, très inspirantes. Puis nous avons rencontré les artistes qui les incarnent. Mettre l'humain au cœur de nos programmes est quelque chose qui caractérise le travail de la Fondation. Faire émerger et travailler avec une communauté d'artistes citoyens engagés est pour nous maintenant un nouvel objectif, un très bel objectif dans l'avenir.